Juste avant que la vidéo commence, ça peut être limite un peu gênant de ce que je t'explique, mais c'est parce que je parle un peu de ma vie, un peu ma vie personnelle, mais je te parle en même temps de ce que, pourquoi je me suis acheté une perruque panda. Pour le plaisir, puis parce que je trouvais ça mignon, c'est pour ça. Mais soyez vigilants, puis soyez respectueux envers moi, même si il y a des choses que vous aimez pas tant puis que vous trouvez ça bizarre, je le comprends. Mais c'est que j'aime ces choses-là puis on peut pas juger la personne en tant que telle. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne un bon visionnage et une bonne écoute. Et bonjour les amis, c'est Noé Gaming. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pourquoi j'ai acheté cette fucking perruque de panda? Mais pas ton avis. Parce que j'aime les pandas et je trouve ça très chou. Est-ce que je suis un chou? En vrai, je sais pas. Je me le demande tellement si je suis chou ou mignon. J'aimerais tellement savoir si je suis vraiment mignon. Pourquoi j'ai une perruque panda? Pourquoi j'aime tant ça? C'est parce que j'aimais une certaine fille que j'appréciais beaucoup, qui me soutenait, qui était toujours là, puis à l'écoute. Et je trouve que vous êtes tous des bonnes personnes qui me soutiennent à tous les jours, puis je remercie tous les gens. J'ai assez hâte de finir mon setup pour vous montrer tout ça. Pour moi, la semaine prochaine ou dans une semaine ou deux, je vais vous le dire quand. Et quand je serai prêt, je vous le dirai. Je vous montrerai tout le dégradé de mon setup, puis vous allez pour moi être content. Mais il y a... Bon, comme vous pourriez voir juste ici, c'est ma perruque panda que je me souviens pas trop. Je me souviens exactement pourquoi j'ai acheté cette perruque. Pourquoi j'ai acheté cette perruque de panda? Parce que j'ai une fille que j'aimais bien, qui était toujours fine, toujours là, à l'écoute, attentif. Puis je trouvais ça mignon, les pandas. Puis je trouvais ça beau et mignon. Puis j'aime ça, les pandas. Fait que quand j'ai commencé à jouer à Fortnite, je voulais l'acheter le skin, mais c'est juste que j'ai pas voulu dépenser tant de V-Bucks que ça. Puis pour le plaisir, je peux le mettre sur ma tête parce que je trouvais ça cute. Mais là, j'ai l'air d'un beau cave de porter ça de toute façon. Comme vous allez pouvoir me dire souvent, comme l'un d'entre vous, en vous connaissant tous et très bien, ben c'est normal que je porte une perruque de merde. Parce que Nolly Gaming aime beaucoup les pandas, surtout les animaux, les chiens et tout. Il aimerait ça avoir son propre chien, mais il y a des choses qu'il faudrait qu'il arrête pour arrêter de penser à toutes ces choses-là. Pour dire qu'il aime beaucoup les furries, puis toutes les choses qu'il voit passer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux qu'il trouve très très mignon, mais c'est qu'il hésite beaucoup à en avoir un. Hein. Vraiment beaucoup. C'est ça qui fait pas mal le tour du panda. Puis c'est ça, c'est ma première vidéo par rapport du panda, puis pourquoi je l'ai acheté. Puis je vais vous expliquer quelque chose d'autre par rapport de ma première vidéo de mes 100 abonnés depuis que j'ai acheté cette calotte à New York. Ça m'a fait ressentir quelque chose qui me ressemblait beaucoup, puis qui c'est qui j'étais vraiment. Puis qu'est-ce qui me faisait montrer ma personnalité de moi-même, puis qu'est-ce que les gens aimaient de moi. Puis surtout, cette calotte m'a beaucoup décrit en tant que YouTuber, puis en tant que soutien, amitié. Puis j'étais reconnu beaucoup avec le même pseudo que je portais, Nolly Gaming. Oui, Nolly Gaming. L'ancien YouTuber qui a une calotte qui s'appelle YOLO. Je l'ai acheté à New York pour 5 piastres. C'est quelque chose qui me décrit beaucoup, mais elle commence à s'user beaucoup. Après le temps, on a des petites démarcations que le blanc, ici, vous verrez pas à cause du soleil, c'est normal. Mais moi, je peux le voir qu'elle s'est dégradée un peu. J'ai mis un morceau de tape pour éviter que le plastique ressort. Parce que c'est un dégradé en or, mais peinturé avec la fausse or, c'est pas de la vraie. Hein. Pensez pas que j'avais de la vraie or, de la valeur, ça vaut des millions de la vraie or, ok?
puis j'ai pas cet argent-là pour me payer ça. C'est pas grave, mais au moins je peux m'acheter des choses qui peuvent être utiles pour plus tard. Et au moins ça me décrit pas mal beaucoup sur cette magnifique calotte, puis je vais la conserver longtemps, puis je vais la garder parce que vous me reconnaissez beaucoup sur ce magnifique gilet vert et sur cette magnifique calotte qui me décrit beaucoup. Vous êtes vraiment des oufs, vous êtes des personnes que j'apprécie, que j'adore. Merci de me soutenir et de liker et d'écrire des commentaires. Puis si la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à écrire un petit commentaire dans la description ou autre. Sinon, écris-moi un petit commentaire de ce que t'en penses de la vidéo et tout. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'était Nolly Gaming. Et n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch et venir me follow sur Instagram. Je publie régulièrement des stories ou des images photos ou des miniatures de mes vidéos. Juste pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. C'était Nolly Gaming. Ciao, ciao!